Bien, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, chers futurs docteurs de l'Université de Montpellier, très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce site de Géléopolis pour une cérémonie qui est certes une cérémonie officielle, mais qui se veut aussi une cérémonie conviviale, qui est celle du fait de décerner le titre docteur honoris causa à un de nos collègues, et donc qui, dans quelques instants, va devenir docteur de l'Université de Montpellier. Cérémonie qui est assez rare au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur, puisque les universités ne peuvent accorder que 4 titres docteur honoris causa par an, et ceci quelle que soit la taille de l'établissement. Alors, quand on est une petite université de province avec peu d'étudiants, ce n'est pas problématique, parce qu'en principe, on n'a pas 4 sommités à honorer, on en a moins. Mais quand on est une grande université, comme l'Université de Montpellier, c'est problématique parce que c'est très sélectif pour arriver donc à faire émerger 4 noms donc, de personnes à reconnaître chaque année. Alors, les propos d'un président d'université dans ces cérémonies docteur honoris causa sont des propos convenus par avance où je ne peux absolument rien dire sur le récipiendaire. Si ce n'est quand même son identité, je me permettrai de l'évoquer, professeur Michel Bouvier, donc je l'ai dit en aparté, professeur Michel Bouvier qui est, alors que moi je suis fiscaliste en finances publiques, le clone de notre professeur Michel Bouvier en France, qui a été président de la Société des finances publiques. Donc comme quoi, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui incarnent la science dans sa diversité, qui s'appelle donc Michel Bouvier. Bon, plus sérieusement, je ne peux pas donc évoquer votre carrière, puisque c'est le parrain, Philippe Marin, donc, qui prononcera l'éloge, votre éloge, auquel vous répondrez dans un temps que vous souhaitez. Vous êtes maître du temps pour cette cérémonie. Et donc, je me dois juste de rappeler quelle est la signification du titre docteur honoris causa. La signification, en fait, elle est à la fois ancienne, même si en réalité les textes qui régissent docteur honoris causa sont récents. Ancienne dans le sens où l'historique du docteur honoris causa remonte en fait au XVIIe siècle, où il s'agissait à l'époque donc d'honorer dans les facultés ou, pourrait-on dire, les structures d'enseignement des personnes qui venaient à la suite d'une mobilité. Alors, parler d'une mobilité au XVIIe siècle, c'est sûr que c'est un peu déconnecté par rapport aux mobilités telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, mais qui avaient rendu des services à l'université, des services à la faculté, ou qui avaient su nouer donc des partenariats avec cette université et cette faculté qui, finalement, à travers cette cérémonie, eh bien, recevait en son sein donc un professeur et faisait de ce professeur l'un des leurs. Aujourd'hui, même si les textes sont plus récents, puisque c'est un décret de 1918 oui, qui régit le doctorat honoris causa, c'est toujours la même logique, qui est d'honorer des personnes de nationalité étrangère pour service rendu. Alors, service rendu aux sciences, aux lettres, aux arts, c'est la formule, service rendu à l'institution qui délivre le titre, service rendu également, dans certains cas, à la nation, puisque c'est un diplôme donc national. Et à travers ces doctorats honoris causa, chers collègues, eh bien, nous souhaitons honorer des collègues qui ont su nouer des partenariats. Des partenariats soit avec des chercheurs, des anciens chercheurs, des instituts présents sur ce site, pour faire en sorte, eh bien, qu'à travers cette cérémonie, eh bien, l'Université de Montpellier est ainsi un docteur de plus, mais surtout un ambassadeur de plus. Et au niveau de l'Université de Montpellier et de ses partenaires, nous sommes une université aujourd'hui avec une visibilité autour des sciences du vivant et de l'environnement, avec 3 enjeux sociétaux, nourrir, soigner, protéger. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, je prends toujours la même logique de ces 3 piliers qui sont notre marque de fabrique. Eh bien, nous souhaitons faire en sorte que les docteurs honoris causa traduisent ces priorités de l'établissement, ces champs thématiques prioritaires de l'établissement, parce que quand on est une université, il faut bien conforter une marque, conforter des domaines d'excellence, conforter notre spécialité. Et donc, à travers ces cérémonies, eh bien, c'est honorer des personnes qui ont un passé scientifique, un présent scientifique, qui ont aussi un futur, on l'espère, avec de nouveaux partenariats à conclure avec nos établissements, pour faire de ces cérémonies, et à l'issue de cette cérémonie, donc, un des nôtres, un des pères, pourrait-on dire, donc, des docteurs de l'université. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole, donc, à Philippe Marin pour faire
faire votre éloge. Je voudrais dire que lorsque votre candidature a été présentée, il n'y a pas eu vraiment de débat sur l'opportunité de vous délivrer ce titre. Cela a été très rapidement accepté par la commission recherche de l'université. Je salue d'ailleurs Jacques Mercier qui ne peut plus être là aujourd'hui, puis validé par le conseil d'administration. Tant finalement la qualité de vos travaux eh bien, rendait, je dirais, incontestable le fait que vous soyez aujourd'hui honoré dans ces murs. Et puis ces cérémonies, elles traduisent aussi le plus souvent une journée d'études, une journée de réflexion. C'est également l'occasion de faire le passage avec des chercheurs, soit d'autres disciplines, soit des chercheurs un peu plus jeunes et des fois en âge, des jeunes chercheurs, des jeunes pousses, pourrait-on dire. Et c'est aussi l'occasion eh bien, de pouvoir avoir des libres propos avec des échanges donc, scientifiques précédemment. Et donc la remise des insignes docteur honoris causa, en principe, clôture une journée scientifique, ce qui est également le cas aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir, chers collègues, grand honneur également, que vous ayez accepté d'être reçu comme docteur de l'Université de Montpellier. Je remercierai également celles et ceux qui ont organisé cette cérémonie, tout particulièrement la direction des relations internationales, la direction de la communication, les musiciennes et musiciens qui nous accompagnent régulièrement, et puis l'ensemble des collègues, notamment de la communauté Biologie Santé, qui sont réunis aujourd'hui pour vous honorer, d'abord pour vous écouter, et puis également pour vous honorer donc, dans la réception dans l'Université de Montpellier. Vous allez être donc dans quelques instants un ambassadeur de l'Université. Un grand merci et je laisse à présent la parole à Philippe Marin pour prononcer votre éloge. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence pour cette cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à notre collègue et ami, le professeur Michel Bouvier, sous parrainage de l'IGF. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler que Michel Bouvier est professeur au département de biochimie et médecine moléculaire de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, et qu'il est également le directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, donc connu sous le nom d'IRIC, à Montréal également, dont il est un des fondateurs. Et cet institut entretient des liens très étroits avec plusieurs laboratoires de l'Université de Montpellier. Mais je voudrais rentrer brièvement dans le vif du sujet pour souligner ici combien Michel Bouvier est un chercheur de renommée mondiale dans un domaine qui nous est cher, le domaine des récepteurs couplés aux protéines G, qui, comme vous le savez, est également une des thématiques phares de l'Université de Montpellier, particulièrement étudiée par de nombreuses équipes de plusieurs instituts montpelliérains, comme, pour n'en citer que quelques-uns, et comme nous l'avons vu aujourd'hui, naturellement l'IGF, mais également l'IBMM et le CBS. Donc, comme vous le savez probablement, Monsieur le Président, maintenant vous entendez beaucoup parler de RCPG dans notre environnement. Les RCPG sont des molécules essentielles de la communication cellulaire. Ce sont des récepteurs à la surface des cellules qui sont capables de recevoir une grande variété de signaux extracellulaires de nature chimique extrêmement différente, comme des odeurs, les phéromones, des photons et la majorité des neuromédiateurs et des hormones. Leur importance dans la physiologie et les pathologies est considérable et ils sont la cible de plus de 30% des médicaments qui sont actuellement sur le marché. Comprendre les mécanismes d'activation de ces récepteurs et ceux par lesquels ils modifient les propriétés des cellules cibles, constituent donc un enjeu majeur de la physiologie, de la pharmacologie et de la médecine. Il s'agit d'un domaine, comme vous l'imaginez, extrêmement productif, actif et compétitif, et dont l'importance ne se dément pas, comme l'a montré l'attribution de nombreux prix Nobel à des personnalités travaillant dans ce domaine, et notamment l'attribution du prix Nobel de chimie en 2012 à Robert Lefkowitz et Brian Kobilka pour leurs travaux sur ces récepteurs. Et là, je tiens à mentionner que Michel a contribué au travail, à ces travaux, en particulier lors de son stage postdoctoral dans le laboratoire du docteur Lefkowitz. Donc la concurrence internationale dans ce domaine, vous l'avez compris, est extrêmement vive depuis plus de 40 ans. Donc si un chercheur de la discipline est visible et reconnu internationalement, c'est qu'il a permis des avancées majeures. Et c'est vraiment le cas de Michel Bouvier, qui doit sa notoriété scientifique à une activité de recherche exceptionnelle et des découvertes qui ont grandement influencé et dans certains cas révolutionné notre compréhension du fonctionnement des RCPG.
Je souhaiterais ici appliquer la règle des trois, de trois que l'on a entendue aujourd'hui, et citer trois types de contributions de Michel Bouvier dans le domaine. La première, c'est l'émergence de nouveaux concepts. La deuxième, les développements technologiques. Et le troisième point, le développement de composés thérapeutiques novateurs ciblant ces récepteurs. Commençons par l'émergence de nouveaux concepts. Le premier est le concept d'activité constitutive et d'agoniste inverse. Michel Bouvier a été un des tout premiers à démontrer que de nombreux RCPG possèdent une activité intrinsèque qui est observée même en l'absence de leur ligand endogène et que certains médicaments peuvent inhiber cette activité spontanée. Cette importante découverte a conduit à la notion d'agoniste inverse et a ouvert la voie au développement de nouvelles classes de composés thérapeutiques qui est systématiquement maintenant prise en compte dans les programmes R&D ciblant ces récepteurs. Ainsi, des agonistes inverses du récepteur de la gréline sont actuellement en développement pour le traitement de l'obésité. Le deuxième concept, c'est le concept de signalisation biaisée. Michel Bouvier a contribué à la démonstration que différents ligands agissant sur un seul et même récepteur peuvent déclencher l'activation de voies de signalisation distinctes, donc des réponses cellulaires spécifiques, conduisant à la notion de signalisation biaisée qui, à nouveau, est systématiquement maintenant prise en considération dans les processus de découverte des médicaments afin d'en réduire les effets secondaires. Là encore, ce concept se traduit par la sélection de nouveaux agents thérapeutiques, comme le montre la description récente de nouveaux agonistes des récepteurs des opiacés présentant les mêmes propriétés analgésiques que la morphine, mais moins d'effets secondaires, notamment respiratoires ou les effets de dépendance. Enfin, le concept d'oligomérisation. Michel Bouvier a apporté les premières preuves biochimiques et biophysiques démontrant que les RCPG peuvent former des dimères, voire des oligomères. Cette découverte a radicalement changé notre vision de la structure des RCPG et permis l'émergence d'un tout nouveau domaine de recherche. À nouveau, cette découverte a ouvert des perspectives de développement de médicaments qui ciblent spécifiquement ces homo- ou hétéromères des RCPG, conduisant à une spécificité thérapeutique accrue. Passons maintenant au deuxième domaine. Ces domaines concernent les développements technologiques. La technique de bioluminescence, Resonance Energy Transfer, ou BRET, est un des développements technologiques les plus importants que l'on doit à Michel Bouvier. La technologie BRET permet de mesurer de façon quantitative les interactions protéines-protéines, les modifications post-traductionnelles, ainsi que les réarrangements conformationnels de molécules dans les cellules vivantes, comme nous avons eu l'occasion de le voir plusieurs fois aujourd'hui. Le laboratoire de Michel Bouvier a ainsi développé des biosenseurs BRET très performants, permettant de suivre de très nombreux signaux intracellulaires avec une précision spatio-temporelle inégalée. La technologie BRET est maintenant utilisée par des scientifiques du monde entier, tant dans le milieu académique que dans le milieu de l'industrie, et le laboratoire de Michel Bouvier est devenu un centre international de formation unique pour l'utilisation du BRET. Dans ce contexte, Michel Bouvier a contribué au transfert de la technologie basée sur la microscopie BRET dans plusieurs équipes montpelliéraines, là encore comme on a pu le voir aujourd'hui. Le troisième domaine, enfin, est le développement de composés thérapeutiques novateurs ciblant les RCPG. Michel Bouvier a décrit une nouvelle classe d'agents thérapeutiques, les chaperones pharmacologiques, qui corrigent les défauts induits par le repliement incorrect des protéines et montrent leur efficacité clinique dans des maladies génétiques résultant de mutations qui perturbent le repliement des RCPG. Ainsi, le laboratoire de Michel a développé des chaperones pharmacologiques corrigeant le repliement anormal du récepteur de la mélanocortine 4 pour le traitement de l'obésité morbide précoce. Du fait de cet intérêt commun pour les RCPG, des liens étroits se sont tissés entre le laboratoire de Michel et plusieurs équipes montpelliéraines. Ces liens se sont traduits par des échanges de matériel biologique et d'outils, le plus souvent au bénéfice des équipes de Montpellier, et par l'engagement de collaborations qui ont produit des résultats souvent très originaux et qui ont fait l'objet de plusieurs publications communes. À nouveau, pour n'en citer que trois, je mentionnerai la collaboration avec l'équipe de Jean-Philippe Pain et Laurent Prézot, qui est aujourd'hui l'équipe dirigée par Philippe Rondard, portant sur l'assemblage multimérique des récepteurs des chimiokines, qui a démontré que ces assemblages moléculaires constituent des entités fonctionnelles propres dotées de propriétés pharmacologiques particulières. Deuxièmement, je mentionnerai la collaboration avec Gilles Guillon, que je salue ici et qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui, qui a permis de mettre en évidence un mécanisme de transactivation inédit d'un récepteur à activité tyrosine kinase, le récepteur de l'IGF-1,
par un récepteur couplé aux protéines G, un RCPG, le récepteur V2 de la vasopressine, dont on a beaucoup aussi entendu parler aujourd'hui. 3, la collaboration avec l'équipe de Bernard Mouillac, enfin Bernard Mouillac et à l'époque il y avait Christiane Mandre, qui travaillait avec Bernard, je crois, qui a permis de démontrer le rôle d'un peptide de structure cyclique mimétique de la boucle intracellulaire I3 du récepteur V2 de la vasopressine sur l'oligomérisation et la signalisation de ce récepteur. Les liens que Michel Bouvier a établis avec l'Université de Montpellier vont bien au-delà des collaborations scientifiques. Ainsi, en tant que directeur de l'IRIC, directeur général de l'IRIC, il a été à l'origine de plusieurs initiatives, comme la création d'un double diplôme de maîtrise entre l'Université de Montpellier et l'Université de Montréal. Je crois que ces échanges qui avaient été interrompus par la pandémie peuvent actuellement reprendre. Ces échanges ont été permis grâce à un financement de la Fondation Samuel de Champlain qu'a obtenu Michel Bouvier. Et enfin, Michel est à l'initiative d'une demande conjointe au programme Erasmus Mundi Design Majors entre les universités de Padoue, de Montpellier et de Montréal. À l'IRIC, Michel Bouvier a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'un modèle original de partenariat entre le milieu académique et l'industrie pharmaceutique. Il a ainsi doté l'IRIC d'une infrastructure unique au Canada pour la découverte de médicaments par le milieu académique. Plus important encore, il a instauré un véritable changement culturel du milieu universitaire et surallié les membres de l'Institut de l'IRIC à une approche entrepreneuriale permettant à tous les chercheurs d'envisager la transformation de leurs découvertes en application ayant un impact sur le traitement du cancer. Il a enfin su mettre en place un modèle avant-gardiste de transfert et de valorisation de la recherche et gagner la confiance de ses interlocuteurs du milieu pharmaceutique, qui s'est traduite par l'établissement de plusieurs partenariats stratégiques de R&D avec de grandes entreprises pharmaceutiques aussi bien que des biotech. Le remarquable succès de l'approche prônée par Michel Bouvier a ainsi permis à l'IRIC de maintenir l'emploi de nombreux professionnels hautement qualifiés opérant sur des plateformes technologiques de l'Institut et de subventionner des projets risqués, mais ô combien novateurs, et donc de soutenir comme jamais auparavant une recherche fondamentale de pointe, moteur à long terme de tout développement thérapeutique. Je souhaiterais enfin souligner le charisme, les qualités pédagogiques et la capacité remarquable de Michel Bouvier à favoriser l'éclosion de jeunes chercheurs talentueux. La réputation de son laboratoire comme milieu de formation privilégié au niveau international n'est plus à faire. Ainsi, Michel Bouvier a formé 79 étudiants des cycles supérieurs, master et PhD, et 47 chercheurs postdoctorants de toutes nationalités, incluant des Français dont plusieurs ont été formés à l'Université de Montpellier. Pour n'en citer que quelques-uns à nouveau, je mentionnerai Bernard Mouillac, Julie Perrois et Sébastien Granier, qui dirigent aujourd'hui des équipes de l'IGF jouissant d'une forte visibilité internationale et qui ont bénéficié donc de cette formation exceptionnelle dispensée par le laboratoire de Michel. Alors, ces chercheurs continuent à tisser des liens étroits avec ce laboratoire sous la forme de collaborations ou d'échanges de technologies, comme je l'ai mentionné précédemment, ainsi que de modèles biologiques et d'outils biologiques. Michel Bouvier est aussi régulièrement invité à participer à des jurys de thèse à Montpellier. J'en ai compté au moins 6, mais je me trompe peut-être. Et je dois dire qu'il a toujours accepté avec enthousiasme ces invitations, puisque tu as eu l'occasion d'être membre du jury d'une thèse de l'équipe que je co-dirigeais avec Aline Dumuy. En conclusion et pour terminer, Michel Bouvier est certainement un des chercheurs les plus créatifs de sa génération. Je souhaiterais rappeler quelques données chiffrées. Il est l'auteur de plus de 360 publications et 15 brevets. Un grand nombre de ces publications sont parues dans les revues biomédicales les plus prestigieuses, comme Cell, Nature, New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Investigation, PNAS et EMBO, et certainement de nombreuses autres. Ces publications ont eu un très fort impact sur la communauté scientifique, comme en témoignent les près de 40 000 citations qu'elles ont reçues. Et l'index H exceptionnel de Michel Bouvier, cet index H s'élève à 111, qui a figuré au palmarès 2014 des chercheurs les plus cités dans le monde, selon l'agence Thomson Reuters. La stature internationale de Michel Bouvier est également attestée par les plus de 500 conférences qu'il a été invité à présenter dans le monde entier au cours de sa prolifique carrière. Donc, toutes ces données chiffrées démontrent que la contribution exceptionnelle de Michel Bouvier à la connaissance scientifique et au transfert de cette connaissance vers des applications technologiques révolutionnaires et de nouvelles thérapies.
Je suis donc très heureux que l'Université de Montpellier ait retenu sa candidature pour recevoir le titre de docteur honoris causa. Au nom de l'IGF, je tiens à vous en remercier, Monsieur le Président, ainsi que le professeur Jacques Mercier, vice-président recherche de l'Université de Montpellier, le professeur Jean-Yves Le Guenet, qui nous fait la gentillesse d'être présent aujourd'hui, qui est le directeur, qui était le directeur du département biologie et santé, et le docteur Claude Sardet, qui est l'ancien directeur de l'IRCM, qui ont tous soutenu avec enthousiasme cette proposition. Et enfin, bien sûr, comme l'a répété Monsieur le Président, toutes les instances universitaires qui ont validé l'attribution de cette distinction, qui vient récompenser un chercheur remarquable, qui est à la fois très attaché à la France et à la communauté scientifique montpelliéraine. Merci de votre attention. Vous comprenez quand même que des fois le protocole a du bon. Il valait mieux que ce soit Philippe Marais qui prononce l'éloge de Michel Bouvier qu'un simple professeur de droit public qui aurait pu être perdu dans nombre de publications, même si, je dois reconnaître, Philippe, qu'à force de durée de mandat, j'ai certains termes maintenant qui sont aussi réceptifs, cette fois, dans mon esprit. Voilà. Donc, chers collègues, donc, au nom de l'université, nous faisons donc docteur honoris causa de l'Université de Montpellier et les félicitations de l'ensemble de la communauté académique. Félicitations. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'Institut de génomique fonctionnelle, connu affectueusement sous le nom de l'IGF, chers amis et collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur de recevoir ce doctorat honoris causa de l'Université de Montpellier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de recevoir un doctorat honoris causa d'une université qui est née au 13e siècle et qui a abrité la plus vieille faculté de médecine, est très certainement un grand honneur. Mais surtout parce qu'au fil des années, des liens d'amitié et de collaboration se sont tissés avec de nombreuses équipes de Montpellier, en particulier à l'IGF. Si on peut avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Comme on le voit ici, l'IGF qui est représenté, bien sûr, l'Université de Montréal et l'IRIC, et de nombreuses interactions entre les divers instituts affiliés à l'Université de Montpellier, Institut montpelliérain, avec lesquels on a entretenu au fil des ans de nombreuses collaborations et développé plusieurs relations d'amitié. Alors, les liens avec la France remontent à un certain temps. En fait, dès 1653, un bâtisseur était à l'origine du lien avec la France. Il s'embarquait sur le Saint-Nicolas et faisait partie de la grande recrue de 1653. Et lorsque l'on regarde un peu la liste des noms qui apparaissent sur cette grande recrue, on retrouve Michel Bouvier, le premier Bouvier à mettre les pieds en Amérique du Nord, au Québec. Et ce Michel Bouvier était embarqué avec Marguerite Bourgeois, une des cofondatrice de Montréal avec le Sieur de Maisonneuve et qui a créé un des premiers hôpitaux, enfin le premier hôpital à Montréal. Michel Bouvier était un maçon qui a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est aussi mon objectif, et qui est malheureusement mort au travail, ce qui n'est pas mon objectif, en tombant d'un échafaudage alors qu'il construisait encore des maisons. Les liens avec la France se sont poursuivis. En fait,
Sur les 120 stagiaires et visiteurs étudiants du laboratoire, plus de 43 venaient de la France. Sur ces 43, 12 provenaient de l'IGF. Et vous allez retrouver leurs noms en bleu sur cette diapositive. Et certains ont fait le trajet inverse, c'est-à-dire qu'ils sont venus à Montpellier après être passés dans mon laboratoire. Et vous reconnaîtrez aussi le nom de Pierre Couvineau qui s'est joint à l'équipe récemment, mais aussi de Mohamed Ayoub qui était passé par Montréal avant de joindre l'IGF pour un séjour ici. Vous reconnaîtrez bien sûr plusieurs des noms qui apparaissent ici comme étant des chercheurs qui ont fait carrière à l'IGF, mais qui ont eu des liens étroits avec mon laboratoire à Montréal. Voilà l'album de famille. J'ai tenté de retrouver des photos de tout le monde. De nos jours, c'est relativement facile. Vous reconnaîtrez plusieurs de ces personnes. Certains étaient plus jeunes au moment de leur passage à Montréal et j'ai pu retrouver ces photos. Pour les plus anciennes, c'est plus difficile parce que les smartphones n'existaient pas à l'époque, mais on arrive finalement à retrouver presque la totalité de ces photos de gens qui ont joué un rôle très important dans ces collaborations et dans plusieurs des découvertes qui ont été évoquées aujourd'hui et qui Philippe a mentionné pendant son éloge. Plusieurs de ces découvertes n'auraient pas été possibles si ce n'avait été de la participation de plusieurs de ces personnes qui sont venues à Montréal. Ces interactions entre l'Université de Montréal et l'Université de Montpellier, et plus particulièrement dans ce cas-ci, entre l'IRIC et l'Institut de recherche en cancérologie, l'IRCM, puisque c'est l'Institut de recherche de l'Université de Montpellier, pas celui de Montréal, il y a aussi un IRCM à Montréal, eh bien ces liens se poursuivent puisqu'ils mettront, on espère, sur pied une maîtrise internationale Erasmus Mundus en biologie du cancer, qui s'appelle MAD contre le cancer, MAD 4 contre le cancer, qui va permettre ce lien entre l'Université de Montpellier, de Montréal et l'Université de Pavie, sans compter la maîtrise bi-institutionnelle entre l'Université de Montpellier et l'Université de Montréal. Donc, les liens vont se poursuivre pour, espérons-le, des générations à venir. Alors, une remise d'un prix comme le doctorat honoris causa ou d'une reconnaissance comme le doctorat honoris causa est un moment pour faire le point sur un parcours. Et la question se pose de l'origine de l'intérêt d'un individu pour une carrière scientifique. Eh bien, j'étais un enfant à l'époque de la conquête de l'espace et j'ai été le témoin, comme plusieurs d'entre vous, de ce premier alunissage, de cet homme qui marchait sur la Lune. Et bien sûr, comme beaucoup de jeunes garçons à l'époque, je devais avoir environ 12 ans ou 13 ans, eh bien, j'étais très intéressé par l'astrophysique, puisque ça me paraissait être quelque chose d'extraordinaire, de magique, de pouvoir aller dans les étoiles. Mais deux professeurs du secondaire, du lycée, si vous voulez, un professeur de biologie, M. Jean, alors que j'avais environ 13 ans, et un professeur de chimie, M. Banzok, alors que j'avais 14 ou 15 ans, ont changé cette trajectoire, puisqu'ils m'ont vraiment inspiré. C'était des professeurs inspirants qui m'ont intéressé à la biologie et à la chimie. Et dans mon esprit simpliste, si je m'intéressais à la biochimie et, à la chimie et à la biologie, je devais faire de la biochimie, et c'est ce que j'ai fait. Et ce qu'on voit ici, c'est l'école secondaire où j'ai pu faire ma formation, l'école Le Plateau, qui était dans un milieu ouvrier, mais en plein milieu d'un parc où on avait la nature, donc un milieu finalement privilégié. Et ces deux professeurs, M. Jean et M. Banzok, m'ont appris des choses importantes qui m'ont suivi toute ma vie. Pour faire de la science, il faut observer, il faut mesurer, il faut perturber. Et la perturber, on peut le prendre dans plusieurs sens. Perturber un système pour pouvoir faire des prédictions sur ce qui va se passer, pour tester une hypothèse, ou perturber les dogmes pour arriver à faire avancer la connaissance vers des frontières qui n'étaient pas atteintes jusqu'à ce moment-là. Bien sûr, les mentors jouent un rôle déterminant dans une carrière, et mon premier mentor en recherche était le docteur Jacques de Champlain, qui m'a permis d'aller de la biochimie, qui était ma formation première à l'université, mon baccalauréat à l'université, ma licence, si vous voulez,
pour passer aux neurosciences et aux récepteurs. Jacques de Champlain était un médecin qui s'intéressait à l'hypertension artérielle, mais qui était d'une très grande imagination et qui surtout m'a appris la liberté du chercheur, l'importance de pouvoir poursuivre les questions qui nous intéressent et de se donner les moyens de pouvoir tenter de répondre à ces questions-là. Et donc, voilà quelques-uns des articles que j'ai eu la possibilité de co-signer avec lui pendant mon doctorat. Et ça, c'était lors d'un voyage en Australie, un des premiers congrès où j'ai assisté, où on voit ici Jacques de Champlain, qui malheureusement est décédé il y a quelques années. De ces travaux, qui étaient plutôt des travaux de pharmacologie in vivo ou de physiologie, j'ai appris à connaître les récepteurs. On a pu démontrer pour la première fois la présence de récepteurs alpha-2 adrénergiques sur les médullo-surrénales qui contrôlaient la relâche des catécholamines par les médullo-surrénales. Donc, ces récepteurs m'intriguaient et donc, de Montréal, je suis parti pour la Caroline du Nord, on le verra dans la prochaine diapositive, pour étudier ces récepteurs couplés aux protéines G qui sont au cœur de la communication cellulaire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à comprendre le fonctionnement du vivant à l'échelle moléculaire. Et pour ce faire, le laboratoire qui m'apparaissait le plus pertinent pour tenter de développer les méthodes et avoir la connaissance nécessaire pour poser ces questions du mécanisme du vivant, surtout des mécanismes de communication dans le vivant à l'échelle moléculaire, eh bien, c'était d'aller dans le laboratoire de Bob Lefkowitz, qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui a eu le prix Nobel de chimie avec Brian Kobilka pour leurs travaux sur les récepteurs bêta-adrénergiques, mais les récepteurs couplés aux protéines G en général. Et dans ce laboratoire, on voit ici, j'étais dans une conversation, je dirais, intriguée avec Bob sur ce qu'on allait faire pour la suite des choses. J'ai eu l'occasion de réaliser la première étude d'expression hétérologue d'un récepteur couplé aux protéines G dans une autre cellule. C'était vraiment les B.A.B.A. de la biologie moléculaire. Et ensuite, on a pu travailler sur l'identification des sites de phosphorylation des récepteurs qui étaient requis pour réguler l'efficacité de signalisation qui menait au phénomène de tolérance, de désensibilisation. J'ai aussi appris en Caroline du Nord pas vraiment à jouer au basketball, bien que ça, c'était le groupe de basket où on contribuait dans nos petites capacités le dimanche. Mais j'ai appris pendant ce séjour cette expression américaine « work hard, play hard » qui était vraiment au cœur du laboratoire, c'est-à-dire travailler fort, mais aussi s'amuser fort, aussi avoir le temps de s'amuser et s'amuser tout en travaillant. Alors, quand on démarre une activité de recherche suite à mon stage postdoctoral à Duke, arrive le moment où on doit démarrer son équipe de recherche. Et deux questions importantes. Choisir la question et choisir les collaborateurs. On reviendra sur le choix des questions un peu plus tard. Mais comme vous le voyez, j'avais choisi des collaborateurs très originaux dès le départ. Donc, et ce que j'ai appris aussi très tôt de Bob Lefkowitz et que j'ai voulu appliquer, c'est que les modèles et les outils expérimentaux doivent servir la question. Donc, Bob avait l'habitude de dire « Donnez-moi le bon modèle, je répondrai à la question. » Et c'est quelque chose qui est resté avec moi, que j'ai toujours voulu vraiment utiliser les systèmes comme des modèles qui permettent de répondre à des questions plus générales, qui ne s'appliquent pas uniquement aux modèles que l'on va considérer. Alors, deuxième chose, la question. Quelles sont les questions biologiques qu'on va se poser en tant que directeur d'un laboratoire? Alors, bien sûr, il faut un peu se réinventer. Lorsqu'on vient d'un laboratoire comme celui de Bob Lefkowitz, qui est connu internationalement, qu'on veut quand même faire sa marque, il faut un peu se réinventer. Mais pas complètement. Donc, il faut quand même rester proche de ce que l'on connaît, au moins au départ. Et donc, ce que j'ai eu la chance de faire dans le transit entre Duke et l'Université de Montréal, c'est de démontrer la palmitylation
des récepteurs qui peuvent protéger. Donc, cette modification post-traductionnelle qui implique un lipide qui décore la partie carboxy-terminale du récepteur, en collaboration avec Brian O'Dowd, qui était à Duke. Et lorsque Bernard Mouillac a rejoint le laboratoire, comme il en a fait mention aujourd'hui, un de ses premiers projets a été d'étudier la régulation de la palmitylation du récepteur bêta-adrénergique en utilisant des cellules d'insectes, les cellules SF9 et le système d'expression baculovirus. Vous allez voir un peu plus tard que ce système a eu une importance au-delà des travaux très importants que Bernard a menés sur la compréhension de la régulation et du rôle de la palmitylation, sur d'autres découvertes qu'on a pu faire au laboratoire un peu plus tard. À la suite de Bernard, Serge Moffett a repris les travaux sur la palmitylation, de même que Thomas Loisel, et on a pu démontrer que ces modifications ou cette modification post-traductionnelle était dynamique, pouvait être régulée par l'activité du récepteur et contrôlait le niveau de phosphorylation du domaine carboxy-terminal du récepteur et donc jouait aussi un rôle dans le développement de la désensibilisation. La phosphorylation, sur laquelle j'avais travaillé lorsque j'étais à l'Université Duke, on a continué à s'y intéresser, mais pas de la même manière pour tous les récepteurs. On s'est intéressé à la phosphorylation non plus de sérine et de thréonine, comme on l'avait fait jusqu'à maintenant, mais plutôt au rôle de la phosphorylation de tyrosine dans des mécanismes de régulation croisée entre des tyrosines kinases et des récepteurs couplés aux protéines G. Aussi, les comparaisons de phosphorylation entre les récepteurs bêta-1 et bêta-2 adrénergiques, réalisés par François Nantel dans mon laboratoire, qui était un étudiant au doctorat, et Dr Suzuki, qui était un visiteur de la compagnie pharmaceutique Tanabe au Japon. Et, bien sûr, sur le bêta-3 adrénergique, en collaboration avec mon collaborateur de presque toujours, et ami Stefano Marullo, vous voyez ici dans le décor italien qui lui est cher, montrer que le récepteur bêta-3 adrénergique était moins susceptible d'être phosphorylé par les kinases et donc plus résistant à la désensibilisation, ce qui a des conséquences sur sa physiologie. Le hasard et la découverte, pour paraphraser des chercheurs français fameux. Dans ce cas-ci, la découverte de l'agonisme inverse. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de l'expression de récepteurs couplés aux protéines G dans les cellules d'insectes avec le système baculovirus. On utilisait ce système pour étudier la palmitylation parce que on avait besoin d'exprimer une grande quantité de récepteurs. Et quand on a utilisé ce système, il nous a fallu caractériser le fonctionnement et la pharmacologie de ce récepteur dans ce système. Et c'est ce qu'on a fait en caractérisant la capacité d'un agoniste l'isoprénol, et d'un composé qui, à l'époque, était considéré comme un antagoniste, l'alprénolol, sur la capacité du récepteur bêta-adrénergique à produire de l'AMP cyclique. Et ce que nous avons constaté, à l'époque, j'étais encore à la paillasse, eh bien, c'est que l'antagoniste inhibait l'activité constitutive du récepteur, ce qui nous a permis de démontrer l'existence d'activité constitutive des récepteurs couplés-protéines G et l'existence de molécules peuvent avoir des efficacités inverses, distinctes, qu'on a appelées l'agonisme inverse, et suggérer que les récepteurs peuvent exister spontanément dans des formes actives et des formes inactives, et changeant un peu la façon dont on considère les propriétés pharmacologiques de composés, qui maintenant pouvaient aller d'agonistes complets, en passant par des agonistes partiels, des antagonistes neutres, des agonistes inverses partiels et les agonistes inverses complets. Mais pas que travailler, comme je vous l'ai déjà dit. Et la question, dans ce cas-ci, c'était, est-ce que le bowling est vraiment un sport? Vraiment, ils n'ont pas réussi tout à fait à m'en convaincre. Dans ce cas-ci, c'était la question de la dimérisation. Une observation qui a été faite au départ par un stagiaire postdoctoral, Terry Hébert, dans mon laboratoire, qui venait me montrer constamment que sur les gels SDS page de récepteurs couplés-protéines G apparaissait toujours une bande de plus haut poids moléculaire. Et pendant des mois, il m'a tenté de me convaincre que c'était vraiment un dimère de récepteurs. Comme c'était un concept qui n'était absolument pas
connue à l'époque. C'était avant qu'on réalise que les récepteurs de classe C sont des dimères obligatoires. On a tenté de concevoir des expériences qui pouvaient au moins tenter de tester l'hypothèse que ces récepteurs puissent agir comme des dimères. Et au départ, on a utilisé des méthodes de co-immunoprécipitation. On a utilisé des peptides pour tenter d'inhiber la dimérisation. Mais finalement, la nécessité nous a amenés à chercher une autre approche technologique pour démontrer cette dimérisation. Et on a pris avantage d'un phénomène naturel qui se retrouve dans les animaux marins, c'est-à-dire le transfert d'énergie de bioluminescence, de résonance, le BRET, qu'on a appliqué à l'étude des interactions protéines-protéines, puisque le transfert d'énergie est proportionnel à la distance entre le donneur d'énergie et l'accepteur d'énergie, ce qui nous a permis de proposer que plusieurs récepteurs pour protéines G pouvaient former des dimères et que certains de ces dimères avaient soit leur conformation, soit leur propensité à dimériser, modulée par les agonistes qui les liaient, comme dans le cas des récepteurs de chimiokines, qui était un travail en collaboration aussi avec les gens de Montpellier. Oui, les GPCR dimérisent, même probablement ils dimérisent pour plusieurs d'entre eux, mais la question est comment et dans quel but. Et donc, des travaux que Laurent a déjà un peu évoqués aujourd'hui, qui ont été réalisés par Sylvain Armando, qui était un étudiant au doctorat conjoint entre nos deux laboratoires, ont permis de comprendre comment il pouvait y avoir des homo- et des hétérodimères des récepteurs de chimiokines, mais surtout que ces hétérodimères et ces homodimères pouvaient engager fonctionnellement les effecteurs de ces récepteurs dans les cellules. Beaucoup plus récemment, en collaboration avec Patrick Barthes en Allemagne, aussi une Montpelliéraine qui a choisi de rester à Montréal suite à son stage postdoctoral, Brigitte Murat, qui était une étudiante au doctorat chez Gilles Guillon, et Justine Paradis, une autre Française, mais qui ne venait pas de Montpellier. Nous avons pu essayer de mieux comprendre quels étaient les déterminants structuraux de la dimérisation des récepteurs glucoprotéine G, en l'occurrence le récepteur CXCR4, et nous avons pu déterminer certains résidus à l'interface de la dimérisation qui, lorsque mutés, pouvaient stabiliser soit les formes fermées du dimère, soit les formes ouvertes du dimère, pour montrer que, alors que ces formes fermées ou ouvertes pouvaient aussi bien engager les protéines G, la forme fermée ne peut pas engager la bêta-arrestine. Et que donc la dimérisation ou la conformation de la dimérisation du récepteur CXCR4 semble jouer un rôle dans le biais, si on veut, entre l'engagement des protéines G et de la bêta-arrestine. Et ça semble être pas unique au récepteur CXCR4, puisque dans ce papier, nous avons pu démontrer l'existence de ces motifs aussi dans deux autres récepteurs couplés aux protéines G. Alors, un autre aspect important de l'établissement d'un laboratoire, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Alors, les étudiants et postdocs du laboratoire avaient décidé, pour la fête de Noël qui se tenait à la maison, de faire des T-shirts avec un récepteur couplé aux protéines G. Vous pouvez peut-être le deviner ici, ce récepteur avec ses 7 domaines transmembranaires. Et tous le portaient, tous, sauf une personne, le mouton mauve, Graciela Pinheiro. Mais c'est toujours très important d'avoir quelqu'un qui est un petit peu différent dans un groupe, qui va regarder les choses différemment. Et c'est très certainement une des choses caractéristiques de Graciela. Le BRET était, au début, conçu dans le laboratoire pour étudier surtout la dimérisation des GPCR, mais assez rapidement, plusieurs personnes dans le laboratoire se sont rendues compte du potentiel de cette technologie pour pouvoir étudier la signalisation cellulaire dans l'ensemble, sous les GPCR. Et bien sûr, Stéphane Angers, dont on a déjà parlé un peu plus tôt aujourd'hui, a été à l'origine du BRET dans le laboratoire. C'est vraiment avec lui qu'on a développé le BRET suite à des discussions qu'on avait eues, notamment avec Michael Dennis à Montréal. Céline Galaise a ensuite rejoint le laboratoire, une Toulousaine qui est revenue à Toulouse, qui a son propre laboratoire à Toulouse, et qui, elle, a vraiment développé les premiers biosenseurs d'activité des protéines G basées sur le BRET, mais aussi Pascal Charret et Sonia Thérillon, qui étaient une étudiante au doctorat chez Thierry Duroux, et Bernard, je crois que c'était une co-direction entre vos deux laboratoires à l'époque,
ou en tout cas chez Thierry pour sûr. Et donc, Sonia et Pascal ont développé des biosenseurs qui pouvaient mesurer, hein, on revient à la mesure qui est importante, l'activation de la bêta-arrestine. Depuis, on a pu générer plus d'une centaine de biosenseurs basés sur le BRET pour détecter différents signaux dans la cellule. Et vous voyez, les liens avec la France continuent, puisque une petite ville en France, pas très loin de la frontière suisse, près du lac Léman, la ville de Brett existe, qui continue à établir des liens entre la France et chez nous. Le Brett comme outil, au-delà de la signalisation, Julie Perrois, qui est ici maintenant à Montpellier, qui était postdoc dans mon laboratoire, avec Stéphanie Pontier, aussi une Française d'origine parisienne, qui elle aussi est décidé de rester au Québec, qui ont développé des outils pour mesurer l'ubuccination, mais aussi les interactions avec les protéines G, je l'ai dit, Céline et Billy Breton, très important, et aussi pouvoir mesurer l'activation des protéines G par une nouvelle méthodologie où on peut mesurer spécifiquement à quel endroit le récepteur est localisé dans la cellule en développant ce qu'on a appelé le Enhanced Bystander BRET, qui permet de déterminer le BRET entre un récepteur, par exemple, et des marqueurs des endosomes ou des marqueurs de la membrane plasmique pour vraiment suivre le trafficking des récepteurs. Et plus récemment, des collaborations avec un collègue, Sébastien Carino, qui notamment est celui qui mène le projet de maîtrise internationale en collaboration avec Montpellier. Sébastien et notre équipe avons développé des biosenseurs de Brett pour mesurer l'activité de l'ezrine, la radixine et la moïsine en temps réel, et maintenant on regarde la capacité des GPCR à activer ces protéines. L'importance du groupe, définir des buts communs, mieux comprendre la biologie, mais aussi mieux se comprendre. Comme je le disais au début, les GPCR sont au cœur de la communication, mais la communication, elle, est au cœur des nouvelles idées. La nécessité mère de l'invention et parfois de la découverte, et je vous dirai quelques mots de la découverte des chaperons pharmacologiques, qui en fait est issue d'un appel d'un néphrologue de Montréal, Daniel Bichet, qui m'a appelé parce qu'il venait tout juste de cloner le récepteur V2 de la vasopressine avec Marielle Birnbaumer, sa collaboratrice, et qui ont identifié les premières mutations dans le gène du récepteur V2 de la vasopressine, qui était responsable du diabète néphrogénique insipide. Daniel me passe un coup de fil, me dit « J'ai entendu dire que tu connaissais un peu ce que c'était les GPCR. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre comment ces mutations mènent à cette maladie? » Il assumait que c'était sans doute une perte de fonction. Et Jean-Pierre Morello, qui était l'étudiant au doctorat à l'époque, a entrepris de caractériser la fonction de ces récepteurs qui étaient mutés. On s'attendait à ce que ces mutations empêchent la liaison des hormones ou empêchent l'activation des protéines G. Malheureusement, aucune de ces mutations, aucun de ces mutants de récepteurs ne pouvait être acheminé à la membrane plasmique. Et donc, on avait un étudiant désespéré puisqu'il n'avait pas de projet de doctorat, finalement. Le récepteur ne se rendait pas à la membrane. Et donc, il était tellement désespéré qu'il était prêt à tout essayer. Et lors d'une réunion, quand je parlais de l'importance de la communication dans les nouvelles idées, lors d'une discussion de laboratoire, on a eu l'idée d'utiliser un antagoniste du récepteur V2, puisque nous mettions constamment des antagonistes du récepteur V2 pour la purification des récepteurs, pour stabiliser la conformation des récepteurs. L'idée un peu folle qu'on a eue, c'est que si ces antagonistes pouvaient pénétrer dans la cellule et se lier aux récepteurs qui n'étaient pas bien repliés, peut-être pourraient-elles les stabiliser dans une conformation qui permettrait leur trafficking à la membrane. Je peux vous dire que presque tout le monde dans le lab meeting gageait contre nous. Mais Jean-Pierre était désespéré, donc la nécessité l'a amené à découvrir qu'effectivement, des antagonistes de récepteurs qui ont les propriétés lipophiliques nécessaires pour pénétrer la cellule pouvaient agir comme des chaperons pharmacologiques et permettre d'espérer développer des nouveaux médicaments pour ces patients. Et d'ailleurs, on a eu la possibilité d'aller en clinique dans une preuve de concept pour montrer que les chaperons pharmacologiques améliorent les conditions des patients souffrant de cette maladie.
Bien sûr, ces travaux sont accompagnés aussi de travaux permettant de mieux comprendre au niveau cellulaire quels étaient les problèmes de repliement, quelles étaient les protéines impliquées dans la rétention des récepteurs et comment les chaperones peuvent agir. Et j'ai oublié de mentionner que Virginie Bernier était la personne qui avait travaillé sur l'étude clinique avec Daniel Bichet. Et les travaux sur la biologie fondamentale derrière ceci étaient réalisés par Oula Petaia-Repo. Les chaperones pharmacologiques, au-delà du diabète insipique néphrogénique, bien sûr, il y a aussi la possibilité de ces chaperones de changer l'expression des récepteurs sauvages, d'augmenter l'expression des récepteurs sauvages, parce que même les récepteurs qui ne sont pas mutés n'ont pas une efficacité parfaite de repliement. Et donc, on peut réchapper les récepteurs qui ne se replient pas correctement avec des chaperones pharmacologiques, et c'est ce que Oula Petaia-Repo a démontré. Et ensuite, avec Patricia René et Denis Richard à l'Université Laval, Patricia dans mon laboratoire, on a pu étudier des mutations du récepteur de type 4 de la mélanocortine qui cause l'obésité précoce et identifier des molécules qui permettent de restaurer la perte d'appétit pour les récepteurs, par les récepteurs MC4 en traitement avec des chaperones pharmacologiques en utilisant un modèle d'obésité qu'on a généré au laboratoire. Mais pas qu'à travailler, le curling, lui, est peut-être un sport. Pour ceux d'entre vous qui avaient essayé de jouer au curling, c'est vraiment du sport. La pluridimensionnalité de la signalisation, de pouvoir montrer qu'un récepteur n'a pas qu'une seule forme active, mais qu'un même récepteur peut engager des voies de signalisation distinctes et avoir des efficacités distinctes sur ces voies de signalisation, est un travail qui a été réalisé au laboratoire par Graciela Pinheiro, toujours avec son T-shirt mauve, et Mounia Azi, qui ont pu démontrer pour la première fois de façon convaincante, sur des voies de signalisation, qu'il y avait effectivement un biais de signalisation qui était possible à travers un même récepteur. Ségolène Galandrin, aussi une Française, qui est peut-être passée par Montpellier, mais qui était surtout à Toulouse, a aussi beaucoup travaillé sur les signaux, signaux biaisés de signalisation des récepteurs bêta 1 et bêta 2 adrénergiques. Et l'intérêt de cette signalisation biaisée, c'est bien sûr qu'on imagine que si on peut comprendre quelles sont les voies de signalisation impliquées dans l'activité thérapeutique versus les activités indésirables d'un récepteur, on pourrait avoir des ligands qui sont capables de moduler uniquement l'activité des voies importantes pour l'efficacité thérapeutique en évitant des voies qui pourraient avoir des conséquences néfastes. Et on a continué à explorer cette pluridimensionnalité avec Charlotte Avet, un stagiaire postdoctoral, Billy Breton, qui est maintenant un associé de recherche, Christian Le Gouel aussi, et Arturo Mancini, qui est dans une compagnie, une biotech, domaine thérapeutique, pour arriver à créer vraiment des patrons de signalisation. Et ici, on a regardé 100 récepteurs coupleoprotéinogènes distincts qui ont un rôle potentiellement thérapeutique, et regarder quelles sont les voies de signalisation qui peuvent être activés par ces différents récepteurs en réponse à leurs ligands endogènes. Mais on peut bien sûr maintenant imaginer utiliser cette plateforme pour regarder à la signalisation par plusieurs ligands qui pourraient avoir des effets biaisés distincts. En collaboration avec Olivier Lichtarge, qui doit apparaître quelque part dans ce papier ici, avec Graciela Pinheiro de nouveau, on a pu démontrer que le biais de signalisation pour les récepteurs, dans ce cas-ci, opiacés, était corrélé avec un effet secondaire qui est la constipation. Et donc, on peut prévoir quels sont les profils de signalisation qui provoqueraient plus de constipation lors de l'utilisation de ligands opiacés. On a entendu un peu plus tôt Brigitte Kiefer parler de nos travaux de collaboration sur le trafficking des récepteurs dans les systèmes in vivo. Et plus récemment, nous avons commencé, c'est un travail qui a été réalisé par Shane Wright, un stagiaire postdoctoral canadien-anglais dans mon laboratoire, qui est maintenant à Stockholm, et un postdoc brésilien, où on commence à regarder la signalisation dans d'autres compartiments que la membrane plasmique, notamment dans l'endosome, et montrer des biais de signalisation qui sont compartiments dépendants. Et les applications. Eh bien oui, il faut aussi penser que malgré le plaisir qu'on puisse avoir à mieux comprendre, à mieux connaître,
de pouvoir appliquer ces connaissances-là est quand même quelque chose qui est assez intéressant et, je dirais, satisfaisant. Et donc, on a eu la chance d'être aux premières loges par plusieurs interactions avec l'industrie pharmaceutique, d'observer les changements de paradigme dans l'industrie pharmaceutique qui, par aversion du risque, se sont désengagés progressivement des étapes les plus précoces de la découverte pour se focaliser davantage sur les étapes de développement. Et donc, plutôt que de voir ça comme un problème avec des collègues, on a cru que c'était une opportunité pour le milieu académique de se positionner de façon plus efficace dans le transfert des connaissances et permettre l'application de nos découvertes plus rapidement dans le secteur biopharmaceutique. Et on a donc créé IRICAR, IRIC en commercialisation de la recherche, pour la maturation et la commercialisation éventuelle de nos découvertes. Et donc, au cours des 20 dernières années, on a réussi à soutenir une centaine de projets en découverte de médicaments, d'établir une cinquantaine de partenariats publics-privés, de conclure 30 licences vers l'industrie, 60 familles de brevets, je vous rassure, tout ça ne vient pas de mon laboratoire, mais de l'Institut au complet, 5 nouvelles molécules et 8 essais cliniques, 5 compagnies dérivées, 70 stagiaires en entrepreneuriat en sciences de la vie, puisqu'on a constaté que peu de scientifiques avaient les qualités pour devenir de vrais entrepreneurs, et donc on a soutenu nos étudiants à développer ces qualités entrepreneuriales, et ceci a culminé à environ 90 millions de dollars d'investissement privé en RXCD au cours de ces 20 dernières années à l'Institut. Quelques partenariats, je ne vais bien sûr pas énumérer tous ces partenariats, je vais simplement insister sur une compagnie pour de nouveau illustrer les liens avec la France, la compagnie Domain Therapeutics, qui malgré son nom est vraiment une compagnie française installée à Strasbourg et avec qui on a développé une relation très étroite puisqu'ils ont licencié une première génération de biosenseurs de Brett et qui les utilisent tant pour faire des partenariats avec l'industrie que pour leur propre programme de découverte de médicaments. Et ils ont, à ma demande, installé une subsidiaire de domaine thérapeutique à Montréal qui continue à bien fonctionner en lien avec la maison mère à Strasbourg. Alors, pour moi, un des éléments que je voudrais laisser à vous tous, c'est de penser à partager les joies de la découverte. Et ici, ce sont simplement quelques-uns des bons moments que j'ai pu passer avec des collaborateurs au fil des ans. Et ce partage d'une même passion pour la découverte est quelque chose qui est inégalable. Pouvoir prétendre être le premier à voir quelque chose, à comprendre quelque chose, à mon avis, c'est un privilège que bien peu de personnes peuvent avoir. Et au fond, les relations humaines et l'amitié au cœur est au cœur de l'entreprise scientifique, en tout cas en ce qui me concerne. En terminant, je voudrais simplement remercier tous ceux qui sont passés par le laboratoire au cours des 33 dernières années. Donc, les stagiaires ici, les étudiants à la maîtrise, les étudiants au doctorat, les chercheurs invités, les stagiaires postdoctoraux et les employés qui sont passés par le laboratoire ou qui y sont encore. Et sans eux, rien de ce que je vous ai montré aujourd'hui n'aurait été possible. Et je vous remercie. Je remercie de nouveau l'Université de Montpellier de me faire cet honneur. Merci. Donc formellement, chers collègues, je vous remets à nouveau le diplôme. Merci. La médaille d'Université de Montpellier, recto et verso.
puis quelques petits ouvrages donc, qui traduisent cette fois, vous l'avez évoqué, le caractère aussi ancien de l'Université de Montpellier, le Jardin des Plantes de Montpellier, la Faculté de médecine. Et puis quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est que Montpellier a aussi une visibilité sur la question des parfums. Et donc un petit ouvrage sur Montpellier, capitale ancestrale du parfum. C'est aussi une autre image donc, de l'université que nous voulions donc, vous donner. Et ça qui va avec, parce que c'est la preuve du parfum. Voilà. Donc je laisse là, parce que faut pas le casser le temps de la photo. Et là maintenant, comme le vidéoprojecteur est éteint, je vais prendre des photos sans que nous soyons en rouge. Donc voilà. Et donc quittez les lunettes, bien sûr, parce que j'ai compris que vous étiez un professionnel de la photo. Merci beaucoup de ces présents. Et je tiens aussi à remercier, j'ai nommé plusieurs personnes pendant la conférence, qui sont les personnes qui sont passées au laboratoire. Mais bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans ceux qui ont initié ces collaborations, qui les ont entretenues au fil des ans. Je parle ici de Gilles Guillon, qui était une des premières personnes que j'ai rencontrées, avec Joël Bocart, qui est venu me faire le plaisir d'une visite à Montréal et qui a permis le premier postdoc, Bernard Mouillac, de rejoindre notre équipe. Et bien sûr, Jean-Philippe Pain, qui a maintenu ses collaborations actives à travers ces nombreuses années et qui m'attribue cette amitié qu'on partage depuis de nombreuses années et la joie de vivre. Merci. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Bien, au nom de l'Université de Montpellier et de toute la communauté scientifique qui interagit avec Michel, j'ai grand plaisir de vous remettre. Merci.